Oui, voilà. Et donc, premier acte de l'été, la lessive, importante. Très très important. Donc on voit ici la deuxième étape, qui est le scotchage du trou. Oui, parce que nous faisons la lessive dans le récupérateur d'eau de la maison. Le récupérateur d'eau, voilà. Première étape a été le nettoyage. Que nous n'avons pas filmé car nous étions dans. Voilà, magnifique. Maintenant c'est le bouchage comme il faut. Ouais, c'est sûr, hein, faudrait pas nous laisser 15 jours tout seul, hein, parce qu'à la fin, le linge, on sait pas comment on lave, nous. Hein. On serait bien capable de faire pareil. Alors maintenant, c'est le remplissage. Ouais, parce que... grosse lessive, donc beaucoup d'eau. Putain. Ouais, faut au moins mettre... faire 15 voyages. Faut au moins mettre 70 litres. Alors, comme vous pouvez le remarquer... ça ne fuit pas, fait par un professionnel. Voilà le tas de linge. Avec la lessive dont on taira le nom, bien sûr. Voilà, et nous on n'a pas peur de mettre toute la boîte. Et je crois que ça va même pas être assez. C'est ridicule notre petite boîte de PD là. Alors maintenant on a la cuillère à touiller. Putain, bah, en plus elle est sale. Ouais, bah de toute façon le linge aussi. Ça peut pas le rendre plus sale que sale. Alors on fait du touillage. Alors en même temps, attendez. J'apporte les premiers vêtements. Ah voilà. Alors ça c'est le meilleur. Très joli. C'est notre petit pantalon en sky, moulant. Voilà. Et là tout le linge. Tout d'un coup, d'accord. On se mouche, que ça te fait. Ah, du monde peut-être. C'est hyper. Je crois que t'as trop mis d'un coup là. Mais non. Y a du monde qui arrive, on n'a pas l'air con là. C'est ça, c'est la. Alors par une de mes bonnes idées, j'ai aimablement proposé à Adrien. Putain, y a des trucs durs là. De frotter le linge avec le pied. C'est super cool à faire, je vous assure. C'est le tapel de merde. Merci. C'est comme les vignobles en fait, hein. Sauf que là c'est. En gros, ouais. Fais-nous voir ton slip, comme c'est beau. Magnifique. Bon, ça, faudra pas y montrer à n'importe qui, hein. Alors voici le vidage de la bassine. Donc nous avons pu descendre jusqu'ici. Et donc là, on essaye de faire sortir l'eau du linge pour la vider. Plus tard, on fera pas nos lessives comme ça, hein, je vous rassure. Puis le re-remplissage. Voici maintenant l'étape du rinçage, étant donné que dans la cuve c'était un peu le bordel, beaucoup de bordel, donc on y lave un par un. Et on va voir maintenant les orages. Vas-y, on te regarde. Ah, je me fais une. Bon, c'est pas fini de rincer, mais. Voilà, en même temps, on arrose les plantes. On arrose les fleurs de la mer, c'est nickel. Elles vont adorer la lessive. On a arrosé des fleurs, maman.